Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review in-game. Aujourd'hui on va parler d'American Truck Simulator, un jeu qui nous est proposé par les studios d'SCS Software et qui est sorti le 3 février sur PC. Ça vaut actuellement 19,99€ et c'est un jeu qui porte excessivement bien son nom puisque American Truck Simulator c'est un jeu de simulation de transport routier effectué en camion et cet épisode se passe sur le sol américain. Plus particulièrement pour cette vidéo sur le sol de la Californie, puisqu'à la sortie du jeu, seuls deux états étaient disponibles. Au moment où je tourne cette vidéo, un troisième état est déjà sorti, et le but affiché par les équipes d'SCF Software est de rendre disponible via des mises à jour gratuites l'entièreté des états des États-Unis. C'est plutôt une bonne nouvelle, sachant que l'intérêt du jeu étant en grande partie les phases de conduite, le fait d'avoir des lieux différents à parcourir rend les choses plus intéressantes. En parlant de la conduite, justement, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet et de vous présenter les bases du gameplay du jeu dans sa phase de conduite. Alors, on est donc en pleine mission dans notre beau camion, et non, plus particulièrement dans le camion d'un de nos employeurs, puisque pour le bien de la vidéo, j'ai recommencé une carrière. Et donc on est au tout début dans un camion d'un de nos autres, enfin d'un de nos supérieurs qui nous a employés pour une mission. Il va être question donc de compléter cette mission afin de remporter de l'argent, bien sûr, pour pouvoir, le but ultime, acheter notre propre camion et travailler à notre propre compte, mais on abordera ces sujets-là un peu plus tard dans l'aspect gestion du jeu. Ici, on va se concentrer sur la conduite et on va commencer par parler des périphériques utilisables. C'est quelque chose qui m'a, moi, personnellement, assez marqué. Je trouve que dans le PC actuellement, il y a pas mal de périphériques qui sont mis de côté. Ici, c'est un jeu de conduite et ce qui est plutôt cool, c'est qu'on peut utiliser tout ce qu'on veut. Vous pouvez bien sûr utiliser le combo clavier-souris. Le jeu est paramétré dans un premier temps pour cela. Mais vous pouvez également brancher n'importe quel combo volant-pédale, ça marche. Et également n'importe quel contrôleur, donc n'importe quelle manette, ça fonctionnera également. Je vous conseille d'ailleurs le jeu à la manette au minimum, on va dire. Même si vous avez un volant, n'hésitez pas, ça risque d'être encore meilleur. Mais si vous n'en avez pas, le jeu à la manette, pour moi, ça reste, on va dire, le minimum. Puisque ça vous permettra d'avoir un meilleur ressenti sur tout ce qui est accélération et freinage, alors que je me prends une pancarte, heureusement sans gravité en termes de dégâts. Donc plus de sensibilité, voilà, sur le freinage et l'accélération. Et donc d'avoir un meilleur ressenti sur le jeu. Même si, si vous décidez de jouer avec un pad, petit conseil, ne passez pas la période de paramétrage de votre périphérique en début de jeu. On a tendance à passer tout ça pour ensuite tout simplement rentrer dans le vif de l'action très rapidement. Ici, si vous voulez prendre du plaisir le plus vite possible, paramétrez vos périphériques, faites-moi confiance, assignez les touches, regardez bien ce qui est disponible et pas. Restez avec votre clavier à proximité pour avoir un maximum de possibilités. Et assigner les touches avec, pareil, un autre petit conseil, une touche qu'on peut penser de base, mais qui n'est pas assignée, les clignotants. Les clignotants, n'hésitez pas à les assigner, puisque l'IA, même si elle n'est pas fantastique, reconnaît l'utilisation des clignotants et vous laissera passer pendant certaines phases assez, assez catastrophiques de votre conduite, si vous mettez les clignotants là où il faut. Sur l'aspect conduite, pendant vos missions, alors pas forcément pendant vos missions de base qui sont plus ou moins gérées pour vous dans un premier temps, mais dès que vous allez avoir votre camion ou sur les missions en long courrier, vous allez devoir gérer pas mal de choses. La première, c'est votre budget, et pour économiser votre budget, il va vous falloir faire très attention au code de la route pour ne pas vous prendre des amendes dans tous les sens qui sont très très punitives à la longue. Première cause de perte d'argent, les excès de vitesse. Alors comment remarquer si on est en excès de vitesse ou pas? Je vais vous demander de vous focaliser sur le GPS qui est en bas à droite et sur le petit carré blanc qui contient le 55, c'est l'indicateur de la vitesse maximale de la route sur laquelle vous êtes au moment, à l'instant T.
Sachant que votre vitesse est indiquée de deux manières différentes, soit en vue intérieure sur votre habitacle, ou en haut à gauche de votre GPS, actuellement 41 miles par heure. Et oui, forcément, American Truck Simulator oblige, vous allez parler en miles, miles pour les distances, mais également pour votre vitesse. Autre indicateur sur le GPS, le petit logo de camion qui est un indicateur de dégâts. Les dégâts qu'il va falloir éviter hein, à tous les coups de... Enfin vraiment, tous les dégâts sont à éviter. Que ce soit les dégâts sur votre... Alors, je ne sais pas trop les termes, je vous avoue. Sur l'avant du camion, donc la partie où est le conducteur, qui vont engendrer des frais de réparation. Alors même si vous avez des assurances, engendrer des frais de réparation qui sont prélevés directement sur votre compte en banque, ou bien sûr des dégâts qui sont infligés à la marchandise et qui sont là retirés de votre paye. Autre chose, la jauge qui est juste à la droite du petit logo du camion, c'est bien sûr la pompe à essence qui matérialise votre réservoir qu'il va falloir gérer sur les longs courriers, même si là, comme je vous disais sur les missions de base, l'essence que vous avez dans le réservoir est plus ou moins celle qu'il vous faut pour finir la mission, donc il n'y a pas trop de soucis. Et également la jauge qui est encore à côté, donc le petit lit qui est lui représentatif de la fatigue de votre conducteur et qu'il va bien sûr falloir gérer plus tard, donc quand vous allez enchaîner les missions avec votre propre camion. Pour gérer tout ça, il va falloir utiliser des bâtiments qui sont sur votre chemin, donc bien sûr des stations essence pour remplir votre réservoir, des réparateurs pour réparer les dégâts qui sont réparables, mais également des aires de repos. Alors, avec des aires de repos un peu particulières pour ce jeu-ci, vu qu'on est aux États-Unis et les Américains utilisent sur les routes, on va dire, de campagne assez longues, chose qu'on rencontre peu en Europe, mais qui est très fréquent aux États-Unis, et bien des toutes petites aires de repos. C'est assez particulier, mais au fur et à mesure, ça fait partie du folklore, on s'y fait. Autre bâtiment que vous allez rencontrer qui ont moins d'influence sur votre course, sur votre mission en tout cas, sur le court terme, mais qui vont en avoir sur le long terme, ce sont des agences de recrutement qui vont vous permettre de gérer votre entreprise et de recruter de nouveaux conducteurs, et bien sûr, des entreprises qui deviendront vos futurs employeurs en transport de fret, mais également des concessionnaires qui vendront les camions plus ou moins chers, donc plus vous en découvrirez et plus vous aurez d'opportunités d'acheter des camions à des prix intéressants. Ici on va faire très attention à la vitesse, je suis en excès de vitesse et j'ai pas du tout envie qu'on me retire de l'argent. Sur la conduite, j'ai plus ou moins tout abordé, si ce n'est une nouvelle feature du jeu. Et on va donc, pour l'aborder, faire une coupure et se retrouver plus vers la fin de la mission. Alors on se retrouve en fin de mission, j'approche de mon lieu de dépôt, et on va donc aborder cette nouvelle feature qui est le système en fait de dépôt de la marchandise. Avant, dans les précédents opus, alors dans les Euro Truck Simulator, alors que j'ai très mal manœuvré, voilà, dans les précédents opus, on avait la possibilité de faire la manœuvre qui nous permettait de déposer le matériel exactement où il fallait ou de la passer. Ici, on a un petit peu plus de possibilités et je vais vous montrer ça. On se met donc juste ici, l'entrée de l'endroit à laquelle on nous demande de déposer la livraison. Et en appuyant sur Entrée, on déclenche le choix des différentes possibilités de lieu de dépôt. On peut très bien passer totalement cette partie en disant je ne suis pas assez bon en manœuvre et du coup je passe mais je ne prends pas de points d'XP bonus. Je joue la sécurité en prenant une livraison plutôt simple et du coup donc je prends un peu d'XP en plus, ou je joue carrément les experts de la manœuvre en camion, ce qui est difficile au début, je vous préviens, mais je prends 90 points d'XP supplémentaires. Alors on peut se dire que ça ne joue pas énormément, on le voit 15, 90,
Bon, après, la sécurité, ça ne fait que 15, donc quoi choisir? Ça va être à vous de le savoir, sachant que l'XP est primordial dans le jeu, notamment au début. Et on va voir pourquoi tout de suite, puisqu'on va commencer à parler de l'aspect gestion du titre. Donc on se rejoint sur le menu pour parler justement de cet aspect gestion, cet aspect long terme du jeu, et surtout de son système d'expérience, comme je vous disais, un système très important au début. Comme tout bon chef d'entreprise, tout ce qu'on veut, c'est gagner beaucoup d'argent sur un court terme. Donc forcément, il va falloir trouver les missions les plus lucratives, et ce n'est pas possible dans un premier temps, puisqu'on ne vous propose pas toutes les missions. Comment on fait pour débloquer des missions? Eh bien, on gagne des niveaux et on utilise ses points de compétences juste ici, dans l'arbre des compétences. Alors, c'est un arbre très rudimentaire, hein, 6 branches, hein, et vous allez le voir, ça se passe toujours plus ou moins de la même manière. Je vais prendre cette catégorie pour exemple, sachant que toutes les autres vont fonctionner de la même manière, si ce n'est la dernière, l'économie de carburant, qui est juste une donnée justement d'économie de carburant. Vos camions consommeront moins, donc vous paierez moins d'essence sur la globalité. Toutes les autres fonctionnent de la même manière. Donc par exemple, longue distance, vous voyez que la donnée de base, ce sont des missions qui vont jusqu'à 250 miles. Et en fait, en dépensant votre point de compétence dans cette catégorie, vous presque vous upgradez votre capacité de conducteur, vous apportez une nouvelle donnée sur votre CV. Et donc vous pouvez accepter des missions qui vont jusqu'à 400 miles, sachant que toutes les missions qui feront plus de 250 miles vous rapporteront 5% de plus en termes d'argent et 25% de plus en termes d'expérience. Chose à noter, seul le premier rang vous donne un boost en termes d'expérience. Et forcément avoir plus d'expérience et avoir plus de points de compétence, donc diversifier plus vite ses missions. Donc ce que je vous conseille moi dans un premier temps, c'est de dépenser vos points de compétence dans les premier rang de chacune des catégories, sachant qu'en plus les missions que vous allez pouvoir accepter peuvent mixer les catégories. Vous allez pouvoir transporter par exemple de la marchandise de grande valeur, fragile, sur de la longue distance. Et alors là, c'est des missions qui vous rapportent énormément d'argent et énormément de points de compétences, donc qui vous font progresser excessivement vite. Tout ça, c'est à prendre en compte puisque, comme je vous disais, il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire pérenniser son entreprise. Que vous avez juste ici, donc là c'est vraiment le tout début, hein. J'ai même pas mon camion à moi, vous voyez que j'ai mon garage qui ne vous coûte rien. Ça peut être un aspect négatif du côté gestion, sachant que le côté gestion est très simple, très épuré, c'est pas du tout le point fort du jeu, c'est plus une manière de mettre le jeu dans le temps, de le placer dans le temps. Alors j'explique ça un peu par une sorte de ressenti, c'est-à-dire que quand vous faites votre mission, vous acceptez une mission par exemple à 2000$, vous prenez une pénalité via un excès de vitesse de 200$, vous vous dites bon bah j'ai pas 100% de ma mission et j'ai un petit peu raté. Si vous voyez ça avec le côté gestion et donc le côté long terme, et bah vous vous dites en ratant un peu de cette mission, et bah je me ralentis sur le développement de mon entreprise au long terme. Donc chaque pénalité que vous allez avoir dans votre phase de conduite va être vécue de manière un petit peu plus forte que si on le prend que dans la mission actuelle. C'est pour ça que je trouve que le gestion a aussi des implications dans la phase de conduite et donc est très intéressant sur le jeu. Ici, donc, vous voyez également donc, les autres critères. Donc, vous avez le garage, vous pouvez en avoir plusieurs pour pouvoir parcourir plusieurs états. Je vous rappelle qu'ici, on n'a que deux états, hein, donc le Nevada et la Californie, mais qu'au final, il y aura les 50 états. Donc il y a du chemin à parcourir et donc avoir plusieurs garages pour pouvoir avoir des conducteurs partout, ça devient important. Vous pouvez donc avoir des chauffeurs, comme je disais, et des camions pour forcément aller avec les chauffeurs que vous avez engagés. Pour gérer tout ça, il faut de l'argent, donc des missions de plus en plus importantes, certes, mais également des banques qui vous font des prêts pour justement vous permettre d'avoir plus rapidement votre camion et d'accepter des missions de fret qui vous rapporteront plus, mais également pour pouvoir engager sur un court terme des chauffeurs qui vous rapporteront assez d'argent, notamment pour rembourser ses crédits, et ainsi de suite. On sait comment ça marche, c'est le capitalisme, l'éternel capitalisme. Ici, vous avez donc le marché du travail, avec les deux catégories, les offres de fret qui sont disponibles à partir du moment où vous avez votre propre camion, puisqu'il nécessite d'aller chercher la marchandise puis de la livrer, ou les offres de mission rapide, celle que j'ai faite pour la vidéo gameplay, où on vous propose un camion de prêt, une entreprise de départ, une entreprise d'arrivée, un trajet donc, que vous voyez ici, donc là par exemple un trajet de 218 miles à faire
en un temps imparti, puisque vous le voyez, il y a une heure d'arrivée max juste ici, pour tel salaire, donc là 2738 $, sachant que juste en dessous vous avez le rapport par miles, donc le nombre de dollars que vous avez gagné par miles parcouru. Tout ça, ce sont des critères à prendre en compte, sachant que là vous avez vraiment les missions de base et que vous allez avoir de plus en plus de missions au fur et à mesure que vous placez vos points de compétences. Autre chose à préciser sur le jeu, c'est que on peut le prendre comme un jeu de simulation simple, avec donc le côté gestion, comme je disais, pour l'inscrire dans le temps. Mais ça en fait donc un jeu qui serait très obscur et qui n'intéresserait que les fans, donc de, bah dans ce cas-là, de route et de camions. Je l'ai pris un peu comme ça en étant, je vous avoue, très néophyte sur le côté simulation, et j'ai fait le test dans un premier temps les deux fers devant, en freinant complètement et en étant un petit peu pas du tout attiré par le jeu, je vous avoue. Et puis j'ai découvert le jeu, j'ai découvert également un autre aspect du titre, c'est le côté presque expérience contemplative. Alors c'est pas réellement le cas, puisqu'on ne peut pas être contemplatif du jeu, il faut faire attention à sa vitesse, il faut faire attention à la route, hein. C'est une vraie simulation de route, donc on ne peut pas vraiment être contemplatif dans ce jeu-là. Mais il y a un vrai plaisir à parcourir par exemple les routes du désert, et notamment d'autant plus grâce à une feature qui est juste ici, c'est la radio. Qui vous propose deux possibilités, donc soit le lecteur de musique qui vous permet de personnaliser avec vos musiques personnelles une tracklist que vous allez avoir dans les oreilles dans votre camion, ou un flux de radio qui vous propose de capter eh bien les web radios et radios FM américaines, donc d'avoir vraiment une vraie chaîne de radio dans les oreilles, et ça c'est quand même vachement sympa, sachant que là, par exemple, vous pouvez capter Énergie Montréal, donc une chaîne en française diffusée à Montréal de la bande FM américaine, et vous écoutez ça en jouant et en étant totalement justement dans cette espèce de, comme je disais, contemplation, ou pas contemplation, mais il y a un côté expérience déstressant, vous voyez, jeu un peu détente. On parcourt le désert avec de la musique dans les oreilles. Moi, je vous avoue que parcourir le désert des Nevada avec une chaîne radio classique du rock des années 80, enfin, j'ai trouvé ça très, très plaisant. Et en fait, le temps que j'ai passé à tester le jeu, je ne l'ai pas vu. Je voyais des missions comme ça que je faisais en 10-15 minutes. Et en réalité, ça me prenait 40 minutes. Mais je les voyais pas passer parce que voilà, il y a de la bonne musique, des paysages sympas, même si le jeu était complètement pas affolant. Mais voilà, on prend du plaisir à jouer au jeu, et je vous le conseille, dans le sens où si vous avez été attiré par le jeu de loin, mais que vous hésitez parce que vous avez peur que ça soit trop obscur, rassurez-vous, le jeu n'est pas obscur, le jeu tend à satisfaire tous les publics et y arrive. C'est une véritable bonne simulation, les Euro Truck Simulator l'étaient déjà, et celui-ci l'est d'autant plus, mais il y a une véritable volonté des créateurs du jeu à attirer le public néophyte, dont je fais partie, je vous le rappelle encore une fois, et qui peut clairement prendre du plaisir sur un jeu qui en plus est proposé à 20 €, ce qui est très peu quand on connaît le contenu qui va finir par arriver sur le jeu. 50 états, une multitude du coup donc de décors et de paysages à parcourir. Non, c'est une véritable réussite cet American Truck Simulator, et c'est un jeu que, ma foi, je ne pensais pas, mais que je vous conseille. Une véritable surprise pour moi, un jeu avec un vrai potentiel, même pour des joueurs qui ne se sentent pas intéressés de base. Donc, si jamais effectivement vous aviez eu le jeu dans le coin de l'œil, je vous le conseille. Voilà donc qui clôture cette review in-game sur American Truck Simulator. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle review in-game sur ingame.fr. Ciao ciao!